what does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a we'll be right back.
feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect. Et salut les gars, comment ça va? Il y a déjà du monde dans le chat là, j'ai vu le compteur là, on est déjà 8, 9? Alors qu'on avait même pas commencé le stream. Merci beaucoup les gars d'être aussi présents alors que le stream n'était même pas encore vraiment lancé. Il manque juste quand on est good. Ok, bah écoutez, pas de soucis. Du coup, bienvenue sur le stream, encore une fois. Un petit show match de la Sensei, on a l'habitude en ce moment, ils sont beaucoup sur la chaîne, contre, du coup, quel homme d'affaires. Oui, c'est le nouveau gimmick des castes, c'est la tenue attitrée pour les castes maintenant, on gardera la chemise cravate, je trouve que ça fait plutôt bien, ça fait sérieux, et en même temps putain, détendu et sérieux, tu vois, c'est bon pour le travail. Je disais oui, on est de retour du coup pour un petit show match de la Sensei. Ils sont beaucoup, ils sont très présents sur la chaîne en ce moment, ça fait plaisir. Je suis très content de la confiance qu'ils m'accordent, étant donné que je caste quand même beaucoup de leurs matchs. Donc ça se fait super plaisir les gars, merci à vous de me donner du travail. c'est un petit peu mon fond de commerce en ce moment la Sensei. Dans tous les cas, oui, je m'éparpille, excusez-moi. Show match BO5 contre, du coup, Ellipse eSport, qui est une équipe que je ne connais pas, qui n'est jamais passée sur la chaîne, donc on va découvrir. Encore une fois, souvent je demande dans le chat, on peut me donner le niveau qu'il y a en face pour que je me fasse une idée, peut-être que vous pensiez à faire des pronostics entre vous dans le chat. N'hésitez pas s'il y a des supporters, du coup, de Ellipse dans le chat. GC1, ok. D'accord, donc ça va être un niveau assez équilibré du coup, donc ça promet. C'est un BO5, c'est un chômage, donc voilà, c'est la petite rencontre détente du samedi après-midi. D'ailleurs, en parlant de samedi après-midi, j'espère que votre week-end se passe bien les gars, que tranquille pour vous malgré le confinement. Écoutez, bah, je suis là pour vous offrir du contenu et puis pour vous faire un petit peu oublier tout ce qui arrive en ce moment et vous faire kiffer sur du Rocket League. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment de penser un petit peu à autre chose et d'essayer de positiver. Donc écoutez, courage à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par le Covid ou le confinement. Si vous êtes comme moi, étudiant, vous savez que des fois ça peut être compliqué quand on vit loin de sa famille ou quoi que ce soit. Donc écoutez, je suis du tout cœur avec vous, bon courage. Et je vais essayer de faire en sorte que du coup cette petite demi-heure ou ces 40 minutes qui vont suivre se passe super bien pour vous et que vous passiez un très bon moment. En tout cas, je ferai de mon mieux. Tac. Du coup, on est dans la game. Ok, on attend juste l'équipe d'en face. Attendez, j'ai sur la fenêtre, on a eu le son de roquette pendant une demi-seconde. Yep, comment ça va, Soura RL ou Sura? Sura, je veux dire Soura, excuse-moi si j'ai écorché ton pseudo. Là, les gens qui sont habitués à ma chaîne savent que j'ai du mal de temps en temps avec les pseudos. C'est pas à me reprendre, bien sûr. Oh, yo. Il y a plein de gens qui arrivent là, attention, c'est le bus des supporters, ça y est, il s'est garé devant le stade, ils sont arrivés dans le chat, bienvenue à vous les gars. Il y a quelques minutes du coup d'envoi, bah moins d'une minute maintenant, on attend du coup Ellipse dans la game, on va pas tarder à partir. Petit ping aussi pour les gens qui sont habitués à la chaîne, bientôt, je suis en train de faire pas des nouveaux overlays, mais du coup... des modifications des overlays existants, donc prochainement, je ne sais pas quand, tout dépend du temps que mettra la personne qui me fait mes overlays à me redonner des modifications. Dans tous les cas, on aura probablement bientôt sur la chaîne des modifications des overlays existants, donc voilà, j'essaie de faire évoluer ça un maximum pour que il y ait toujours un petit peu de nouveauté et que ça reste cool pour vous. Tous les joueurs ont rejoint, on va pouvoir passer sur la game, écoutez, hop, transition directement. Donc à voir comment ça va se passer, comme je rappelle Ellipse eSport que je ne connais pas du tout. On va attendre un petit peu, on a un mate du côté de la Sensei qui n'est pas ready, on va attendre un petit peu. Bon, je vais en profiter pour parler avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc je disais Ellipse, une équipe que je ne connais pas du tout, première fois qu'il passe sur la chaîne, donc déjà bienvenue à la team et puis bienvenue aux supporters. Asseyez-vous, mettez-vous bien. Et du coup, à voir comment ça va se goupiller, voir ce que le niveau va donner. Mais du coup, on m'a dit que c'était du GC1, donc le niveau risque d'être assez équilibré.
Donc à voir comment ça va se goupiller. Je pense que ça va être intéressant, petit BO5, pour nous faire kiffer, pour vous faire kiffer. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. Merci du coup sur RL pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Parce qu'on est en attente du coup de Woodcraft ou de si non. Tranquille-moi dans le chat in-game. C'est la course là, c'est la course, on l'attend. Bien sûr, si n'hésitez pas, hein, si le stream vous plaît, n'hésitez pas à follow pour être pour savoir quand je stream et pouvoir rien rater. Et puis moi, ça me soutient dans mon travail, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ça me prouve que ce que je vous offre, c'est de la qualité et que vous aimez ce que je fais. Donc franchement, si vous faites, c'est super gentil, les gars. Merci d'ailleurs tous déjà follow, hein, ceux qui sont déjà follow à la chaîne et qui suivent les streams assidûment. Vous êtes génial, les gars, dans tous les cas. Les joueurs ont rejoint du côté de Ellipse, on a Crass, Crassy, Kirksmile et Alpha. Du coup, du côté de la CNC, toujours Goodcraft, si puissant et en Kimo. Merci Malo pour le follow, bienvenue à toi. Les joueurs qui tempo le, les joueurs qui tempo le timer dans l'attente d'un joueur, il me semble. C'est bon, tout le monde est là, tout le monde est là. Techniquement, ça devrait être bon. Première manche de ce BO5 directement, on est parti. Et c'est la CNC qui va être à l'attaque, mais Alpha va directement pouvoir reprendre cette balle. C'est une file, Kimo pour la reprise, on peut le faire en deux temps, c'est plutôt bien fait, on arrive à le mettre dans le corner. C'est à Kirksmile de récupérer cette balle. Alpha remise une file, ça va venir grimper sur le backboard, est-ce qu'on peut essayer d'en faire quelque chose. Très bien défendu de la part de Alpha. Et on va essayer de pousser un petit peu, mettre de la vitesse. Attention, c'était open là du côté de Goodcraft. On arrivera tranquillement à remettre cette balle dans le corner. J'ai vu le don, j'ai vu le don. Je vous remercierai après. Merci beaucoup les gars. Donc là, on va venir chercher peut-être cette première open, cette balle qui vient toucher le transversal et Goodcraft qui va pouvoir venir ouvrir le score. Merci Zikou pour les 5 euros. Bon cast. Merci beaucoup. C'est super gentil. Ah c'est trop. Merci beaucoup. Allez, 30 secondes. Le score qui vient d'être ouvert. On peut essayer peut-être de rattraper un petit retard du côté de l'ellipse. Pour l'instant cette balle est dans le corner de la CNC. Puissant, Vagbourg très bien défendu. Est-ce qu'on peut essayer de continuer cette balle? Attention à Kirk, le petit contrôle, la remise in field là pour son mate, ça aurait pu être dangereux, on a pu s'interposer du côté de ses puissants. Allez en Kimo, c'est clairement devant. Est-ce que c'est cadré? Ça peut venir toucher le backboard. Crassi qui arrivera à décaler cette balle sans trop de soucis. Donc enfin tenter le contrôle, mais cette balle qui sera subtilisée là par Alpha. Malheureusement on n'a plus de boost, on pourra pas continuer cette action. Donc Kimo va essayer de faire drop sur le corner opposé. Heureusement on est un petit peu loin du côté de l'ellipse. Allez Crassi cette mise in field. Kirk qui va venir chercher contre contrôle, malheureusement ça ne trouvera pas les cages. Cette balle qui tombe pour les as, est-ce qu'on peut venir essayer de la chercher? C'est Alpha qui va décoller en Kimo qui s'est un petit peu raté sur cette relance. Attention la double commitment de Goodcraft est si puissant. C'est bon, les deux mates qui ont communiqué. On n'est pas parti à deux. Allez en Kimo pour un petit peu de vitesse face à Crassi. On arrive à maintenir cette balle sur le wall. Le classique pour remporter ce 50, c'est plus bien fait. Est-ce qu'on peut essayer de passer toute l'équipe? Non, c'est plus, on sera très bien placé là sur ce premier poteau pour pouvoir défendre. Allez, Alpha pour essayer de passer les deux joueurs. Attention, c'est open la création, on a une bonne occasion. Est-ce qu'on peut venir remettre cette balle directement? Bien sûr, une évidence pour ce joueur. Ah, ça s'est très bien goupillé là. On a vu le magnifique 50 qui est venu servir Crassi sur cette open. Très bien vu pour le coup. 1 minute 34 restant, un partout, les comptoirs qui sont remis à zéro pour l'instant, c'est assez neutre là entre les deux équipes, on se répond mutuellement. Pas forcément beaucoup d'avantages, c'est puissant qui va essayer de passer à l'attaque, ça sera raté, ça va être à cœur de clear directement pour qu'on part en rule one devant les cages de Ellipse. Les Goodcraft, cette petite touche là qui a son avantage, Crassi qui va essayer de tempo comme il peut, attention à Kimo qui va décider de partir, est-ce qu'on a de l'arceau, est-ce qu'on peut essayer de continuer? Ça sera décalé par Kirksmile, attention à Goodcraft quand même, cette remise in kill, ça va être un petit peu haut. Pour la rule one, là on voit devant les cages, ça fait deux joueurs qui sont éliminés du terrain, on passe en 2v2. Allez en Kimo peut-être le flic qui essaie de passer. Oh ça passe pas loin Crassi, heureusement qu'il était bien placé dans sa ligne pour pouvoir récupérer cette balle. Et là on a de la ressource. On va tenter le reset, mais malheureusement on s'y est pris un petit peu tard là le setup qui est arrivé un petit peu tard sur ce reset, on pourra pas en profiter. Allez Alpha c'est clairement devant. Crassi pour la transition. Wall, est-ce que c'est cadré? Ça vient toucher le poteau. Kimo, le petit rebond backboard, attention à Alpha qui était là juste derrière, on va venir chercher encore une fois ce premier poteau. Kimo qui va éclairer sans trop de problèmes. On peut prendre la transition du côté de Goodcraft, cette balle qui est un petit peu trop envoyée en profondeur. On va essayer de tenter sur le backboard. Cette balle qui est servie, on avait tenté le pré-shot du côté de 6 puissants, mais ça ne passera pas. Alpha qui va pouvoir clear loin devant. Ça va drop au pied du wall. Crassi pour la reprise. On décide d'y aller en deux temps. Attention Kimo qui était là pour le cut. Très bien vu, c'est renvoyé directement sur le side opposé. 6 puissants.
sang. On s'est fait un petit peu troll là par Alpha. C'est Goodcraft qui va devoir intervenir ou le physique et son avantage qu'on puisse de reprendre. Petit puissant qui a pris de la vitesse. Ah, malheureusement, c'est un petit peu court pour lui. Allez, Goodcraft peut-être poursuivre. Malheureusement, on est un petit peu loin et c'est Crassi qui va pouvoir clear. Allez, Goodcraft, on essaie de tempo comme on peut. On empêche d'être mis infinite de la part de Crassi. Petit puissant. Peut-être en deux temps. Là, c'est Alpha, le physique qui est pris. Pour l'instant, c'est le balle qui veut pas quitter cette surface bleue. Allez, c'est puissant encore une fois, c'est Alpha qui va être là pour maintenir cette balle dans le corner. Attention, ça va devoir rappeler, est-ce que Kirk va pouvoir en profiter? Et ça reste pour Crassi, c'est puissant qui sera présent pour clairement devant, c'est plutôt bien fait. Allez, Alpha, on arrive à éliminer un premier joueur, Ankimo qui sera là pour prendre le juste derrière. On essaye de faire revenir cette balle et ça vient trouver le cas tranquillement du côté d'Ankimo. Merci du coup, Itracy pour le follow, c'est incroyable. On peut avoir un tel niveau de jeu et en même temps, follow la chaîne, c'est assez insane, merci à toi. 2-1, pas forcément un gros avantage, minute 42, ça a encore largement le temps là pour Ellipse de revenir au score. Allez, Kirk, c'est plus bien, faudra tenter le ceiling shot, ça va venir directement trouver Ankimo là au pied de ce wall. Crassi, le lob, attention, ça pourrait être dangereux, ça va drop juste devant les cages. Ouh, cette petite touch là, cette petite compo entre les deux joueurs de la CNC, c'était très bien vu, je sais pas si c'était voulu, mais dans tous les cas, ça a été efficace pour pouvoir défendre ce goal. Allez, Alpha dans son corner, Woodcraft, on tente le flic en arrière pour pouvoir remettre cette balle infield. On est toujours présent sur ce wall, cette balle qui sera remise directement devant les cages. Ah, c'est petit clair, ça vient trouver un qui monte dans les airs. Balle qui est maintenue dans le corner, attention, Kirk, il faut pas trop se rater sur cette balle. C'est Alpha qui va directement prendre le contrôle, tenter le pinch sur le wall. Malheureusement, c'était un petit peu rapide. Off pour le cut, c'est bien fait, Kirk mal. Sécurisé dans le corner, c'est trop de problème. Cette touch là qui a son avantage, est-ce qu'on peut essayer de prendre la vitesse du côté de Crassi? Peut-être l'ob, si puissant. Oh, si puissant, le kebab, c'est terrible! C'est terrible! C'est puissant le kebab qui va venir offrir cette égalisation à Ellipse Sport. Ah, c'est dommage, il avait tout son temps là pour le coup. On s'est un peu trop précipité, je pense. Ah, il doit s'en vouloir. Les compteurs sont mis à zéro, moins d'une minute. C'est là qu'il va falloir faire la différence. Allez, pour l'instant, c'est au milieu de terrain. Ou peut-être Alpha pour une double touch, peut-être directement. Pas trop de problème. Voilà, on peut prendre l'avantage du côté de Alpha. C'est un peu bizarre de dire Alpha, j'ai l'impression de casse du Vitality. Ça me fait très bizarre. Écoute, on a peut-être un futur Alpha 54 à en devenir. Allez, dans tous les cas, c'est Elite qui a repris l'avantage. 40 secondes, c'est encore faisable de revenir au score là pour la SNC. On va essayer de tomber un petit peu cette balle en l'air. Malheureusement, Ankimo qui est un petit peu long pour partir. Là, plutôt sur du côté d'Alpha, on ne pourra pas en faire grand-chose. Cette balle, malheureusement, elle est Ankimo peut-être pour se faire contrôle. Malheureusement, on a été un petit peu trop éloigné de cette balle. On va essayer de monter sur le wall. On va essayer de mettre un petit peu de pression là sur cette cage. Le reset qui est tenté, ça ne passera pas malheureusement. C'est Kirkman qui va pouvoir le faire sans trop de problème. Voilà, c'est puissant, cette petite touch. Attention là, one goal de la SNC. Heureusement, c'était plus une backpass. Mais attention, c'est open juste derrière. C'est à retrouver le poteau du côté de Crassi. C'est dommage. On aurait pu créer le break là à 15 secondes de la fin. Ça aurait été très confortable. Mais pas de problème pour Alpha qui pourra bien trouver le dessous de cette barre juste derrière. Ce petit amorti là qui vient faire le travail juste devant ses cages. Très bien vu. Hein. Même pas, c'était un tir. J'ai cru qu'il avait amorti. Non, c'était un tir. Hein. Tranquillement, avec le side de la voiture. Pas de problème. Qui est créé la 13 secondes de la fin, c'est plutôt bon pour Ellipse Sport. Je pense que là on n'en fera pas grand chose de cette game malheureusement du côté de la CNC, mais on aura plus de simple 5 qui est largement le temps de se rattraper. Attention là, ce petit contrôle d'Ankimo, ça serait directement clear. Enfin, pour monter sur le wall, malheureusement 0 secondes, même si on remet un but, ça ne changera rien. Bon, c'était cadré de la part de Alpha, mais Ankimo qui sera là pour défendre. Et ce premier point qui revient du coup à la Ellipse. Très bien vu là pour le coup. Assez neutre en début de game, mais on a su trouver l'avantage dans cette dernière minute là du côté de Ellipse Sport. Pour le coup, je n'avancerai pas à faire des pronostics parce que je pense que ce BO risque d'être assez serré. Hein. Oui, c'est un BO5, c'est un BO5. Et à voir si SNC va arriver à s'adapter à ce style de jeu où s'ils vont se laisser dépasser, moi j'y crois, c'était une game de chauffe, on rappelle, hein. Game 1 c'était une game de chauffe, pas juger un BO à sa première game, à voir comment ça va se goupiller pour sur du coup cette seconde manche. Merci Zikou pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Excusez-moi, pour un petit coup d'eau, ça donne soif de cast, ah, ça c'est indispensable, tout bon castor se doit d'avoir sa bouteille d'eau à portée de main, sinon je ne donne pas cher de votre peau. Surtout qu'ils fassent gaffe, la Sensei, ils sont trop collés, les adversaires en profitent. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Allez, dans tout le... on va pouvoir partir pour cette deuxième manche. Voir si la CNC a compris à qui ils avaient affaire. Bon, pour ce premier kick-off, pas vraiment d'avantage. Tranquillement partir sur la surface orange. Et c'est Woodcraft qui va pouvoir passer à l'attaque directement. Crassi, premier poteau, pas trop de problème. Est-ce qu'on peut essayer de l'arc pendant du temps? Malheureusement, on n'a plus de ressources. On attend peut-être un appel de balle de ses mates. Ouais, malheureusement, on pourra pas en faire grand-chose. La petite passe pas suffisamment rapide pour venir surprendre cette défense. Attention, un coup de craft se trouve mise in field, ça pourrait être dangereux. Alpha qui sera là pour sauver cette balle sans trop de difficultés. Allez, ça va drop là, juste dans le corner. Petit contrôle. Encore une fois, on se retrouve à deux dans le corner. On se retrouve à deux côté de la cité dans ce corner de Ellipse. On s'entend pas d'incidence où le petit. Le petit amorti là, Goodcraft, qui aurait pu offrir une occasion à son mate. Pour l'instant, c'est une balle qui est magnifiquement défendue. La défense qui tient du côté de Ellipse. Attention quand même à pas qu'il s'est trop enfermé dans une phase de pression trop longue. Parce qu'on sait qu'une erreur peut arriver au bout d'un certain temps quand même. Pour l'instant, du coup, on a réussi à revenir dans cette surface bleue. Cette balle qui sera directement envoyée par contre, peut-être en deux temps. On a essayé de partir avec Goodcraft. Je sais pas si les deux joueurs avaient prévu un pinch ou s'il y avait ou juste un double commit. Dans tous les cas, ça sera récupéré par ces joueurs du coup de la Ellipse. Allez, Crassi dans les arts, c'est bien fait. Est-ce que ça veut dire toucher le back pour peut-être la double tap qui était setup? Malheureusement, on a plus de ressources, c'est un petit peu court. On arrivera à défendre du bout de sa voiture du côté de Goodcraft. C'était dangereux. Hein. La frappe de Alpha là pour le coup qui était très puissante. On aurait pu surprendre les défenseurs. Allez, Crassi qui ne se fera pas avoir là par ce petit contrôle de Goodcraft. C'est renvoyé sur le side opposé, Kirk pour la mettre sur le coup dans le corner, Goodcraft qui va pouvoir clair loin devant. Allez Crassi, attention à la place rate, on est dernier défenseur, c'est vrai que c'est sécurisé le long du backboard. Ça sera pour Alpha, on est un petit peu loin du côté de Cipuisson, on était dernier défenseur, on pouvait pas se permettre de trop avancer pour le coup. Allez Cipuisson, on va éliminer un premier joueur, Kirk, c'est petite touche plutôt bien fait, on arrive à leur mettre une file. Goodcraft qui était très bien placé en Kimo peut-être, dommage, ça manque un petit peu de puissance là pour venir chercher cet open. C'est dommage, on était bien placé, l'action était belle. Oula, Crassi qui arrive à gratter du terrain au fur et à mesure. Heureusement, on arrivera à recover du côté d'Ankimo. Et c'est suffisant pour cette petite touch. On essaie de faire tempo la balle. Est-ce qu'on peut essayer de la récupérer? Goodcraft, c'est bien fait. Est-ce que c'est cadré? Crassi qui va pouvoir défendre cette balle sans trop de soucis encore une fois. Goodcraft, on essaie de gratter du terrain là au fur et à mesure. Malheureusement, cette balle n'est pas suffisamment rapide pour bien surprendre cette défense. Faites des passes, bordel! C'est un petit peu ça. Cette balle qui est toujours du coup dans cette surface orange, on va essayer de la reprendre du côté de Alpha. Craft qui est plutôt bien placé, attention quand même. On était bien placé mais attention à pas se faire surprendre là par cette frappe de Crassi. Je pense que pour le coup on a peut-être voulu tempo un peu trop et on s'est fait surprendre. Bonne défense chez Ellipse, pour le coup très bonne défense chez Ellipse, hein. C'est très solide pour l'instant, on n'a pas trop vu d'erreur, donc c'est vrai que en même temps on avait prévu que c'était du GC1. Ça se ressent, on voit que les erreurs sont pas forcément très présentes. Et on a une défense plutôt solide là du côté orange. Allez, Crassi peut-être en deux temps. Non, c'est pas qui va trop directement. C'est Alpha qui va pour reprendre. Est-ce qu'on peut mettre une file? On va essayer de prendre la vitesse pour tenter de solo play. Donc Crassi se présente, on va rater un petit peu cette relance. Heureusement, ça va filer tranquillement sur le sac de poser. Pas trop de problème. C'est fait peur, je pense, là du côté de Sensei. Allez, Crassi, ça ne trollera pas en Kimo qui va pouvoir reprendre. Alpha juste derrière. Crassi, on va essayer de faire un deux joints triangle entre les deux joueurs. Pardon, ce sera directement ce plan qui sera avorté là par Cipuissant. On empêchera cette relance. Cipuissant directement la transition du ball. Je sais pas si elle a été prise. Oui, il avait le tir cadré. Elle a été prise. C'était un petit tir malheureusement. Et c'est une balle qui est sécurisée encore directement. Alpha, on va aller chercher Blackboard. Attention, on s'envolait là du côté de Papy Smile. On aurait pu être dangereux. On arrive à subtiliser cette balle, on arrive à passer entre tous les défenseurs, la démo qui est prise, est-ce qu'on peut venir chercher ce goal? Ah, oh, ça vient toucher le poteau, on pourra pas reprendre, c'est puissant peut-être derrière. Non, malheureusement, on est un petit peu loin. Ah, c'est dommage, là, en Kimo, on avait l'occasion, l'open qui était présent, pour le coup. On aurait pu venir égaliser, ça aurait fait du bien, là, à 1 minute 35 de la fin. Allez, Goodcraft, peut-être, cette balle qui a pu monter sur le backboard, c'est puissant peut-être la double tap qui est prise directement, on va pouvoir venir trouver ce goal. Sans trop de soucis. Yo, Deliso, comment ça va? Allez, on va analyser les futurs adversaires. Et tout à fait, mais tu fais bien. Encore une fois, 1 minute 30, un partout, c'est assez équilibré comme le premier match. Attention à ne pas laisser du coup Ellipse prendre l'avantage dans cette dernière minute, comme ça s'est passé sur cette première manche. Et donc, ils vont tenter le rebond ceiling, ce quelqu'un vient récupérer. Ces puissants étaient présents, mais ce sera clair de loin devant par Crassus, c'est plutôt bien fait. On a tenté le tornado pour essayer de reprendre, mais ça ne passera pas. Et la petite passe sur le second poteau pour Crassi, malheureusement, passe tellement à côté, c'est suffisant pour le contrôle. On est au pied du wall, on ne sait pas forcément avoir beaucoup de ressources. On a 50 de boosté quand même, c'est juste qu'on prend le temps de tempo tranquillement. Et en Kimo, ça sera repris. Attention, Alpha peut-être de solo play, ça part directement sur le poteau pour Kirk. Kurt. Un petit peu loin, malheureusement.
Grassi, le 50 qui est pris, ça va s'envoler. Est-ce que si puissant va pouvoir tenter toucher cette balle, c'est que dans le corner. Donc il moi attention à cette prise de vitesse là, ça pourrait être dangereux, c'est pas qu'il renvoie directement dans la surface orange. Allez, c'est Coup de Craft qui a essayé de partir, malheureusement on n'était pas forcément bien axé là pour reprendre cette balle. C'est puissant cette balle directement, Kermit pour Ankimon, vient chercher ce compoton, on était très bien placé du côté de Krassi là pour pouvoir défendre ce shot. Et cœur directement en haut du wall, est-ce que Coup de Craft venir remettre une fille, malheureusement cette balle qui est rendue à l'adversaire, Alpha c'est clairement devant, attention Kimo, faut pas se rater, cette balle qui sera sécurisée dans le corner. Ah si, cette remise in field, c'est suffisant qu'il décide de partir, on décide de changer de ça directement, on cherche des opportunités hein, là, du côté de la SLC, on veut se libérer un petit peu de cette pression qui est mise par Ellipse. Allez, il s'agirait du coup de conclure cette manche, on rappelle que The Overtime en BO c'est pas forcément bon parce que c'est du temps de jeu en plus, et c'est du focus en plus, et ça veut dire de la fatigue en plus. Hein, c'est la balle qui sera envoyée loin devant, ça veut dire toucher le sol malheureusement, on part directement en Overtime. Ça va super Deliso, ça va super, merci. Merci bien. Oh, Kimo, il a très bon 50, est-ce qu'on peut venir défendre cette balle? Oh, attention Alpha, là, petit touché sur le backboard, heureusement c'est puissant, un petit peu raté. Pas plus de dangereux, hein. Je pense qu'on s'est fait un petit peu peur, les Goodcraft, c'est clairement normal, on a plus de ressources pour venir reprendre cette balle. Allez, Alpha, on a vu Krassi, malheureusement Kimo qui vient s'interposer là entre les deux joueurs, de Ellipse. Un petit peu raté cette relance, malheureusement c'est balle qui va tempo, heureusement on est loin du côté de la Sensei. On va pas d'incidence sur cette action. Allez Alpha, le shot directement qui est tenté, aussi puissant, on va venir défendre cette balle, mais c'était dangereux hein. C'est tombé pas loin du premier poteau, on s'est fait je pense que on a dû suivre un petit peu sur ce shot, mais ça passera pour l'instant. Et une fois de plus Alpha pour Krassi directement cette balle, attention Kimo, il faut pas se rater, Goodcraft qui est dans les cages, attention à ce return qui pourrait être dangereux, on essaie de donner un petit peu d'impulsion. Oh, le 50 qui est pris directement par Alpha encore une fois. Vous avez dû l'entendre, j'ai retenu ma respiration, je m'attendais, j'avais vu Alpha qui était passé, je ne savais pas si le move allait sortir. Mais il l'a vu ce 50, incroyable. Du coup c'est Ellipse qui prend le large en SBO, qui file directement en balle de match. Ah, pour l'instant même si c'est serré, c'est une victoire qu'il aurait promise. Mais allez la SNC, on y croit hein, bien sûr, on va les voir revenir au score, peut-être le river sweep, le spectacle. Et pour l'instant la victoire qui semble bien promise à Ellipse. Et bien sûr, on reste de tout cœur avec la SNC, on veut les voir remonter pour faire du vrai SBO et offrir du spectacle au river. Vous êtes avant tout là pour ça, je le sais bien. Allez, dans tous les cas, troisième manche, une fois de plus, engage plutôt neutre, ça va être Krassi qui va pouvoir en profiter, c'est plutôt que tu vas être très bien présent dans ses cages, c'est clair loin devant. Et Antimo qui va pouvoir suivre, on essaye un shot très puissant, on va pouvoir défendre du côté d'Alpha, c'était dangereux, on s'est fait surprendre par la puissance de ce tir. Allez, c'est puissant directement, c'est Amazing Field, Antimo qui est présent, est-ce qu'on peut venir chercher cette balle ou ça va être bien haut, c'est peut-être un bon puissant, pardon, peut-être un bon setup pour Wooster, je me suis emmêlé totalement, excusez-moi. Allez Alpha pour le clear, on arrive à bien pour les joueurs, c'est puissant qui sera présent derrière, ça va drop juste devant les cages que quelqu'un se présente, Kimo qui était bien placé pour pouvoir défendre cette balle. Allez Kurt encore une fois on essaie de prendre son temps, Kimo qui va venir gêner un petit peu ce... Je pense que ça partait soit en wall drag soit en ceiling, ou la double tap qui était setup. Alpha on est parti un petit peu tôt là pour reprendre cette passe qui avait été faite par son mate. Est-ce qu'on peut essayer de cut Goodcraft dans son action, cette balle qui sur le stade opposé. J'ai pas vu ma petite gorgée d'eau entre le match, c'est pour ça je cafouille un peu, excusez-moi. Je vais en voir une au prochain but. Allez, c'est puissant, on a peut-être une chose seule, ça ne perturbera pas plus que ça. Kurt qui avait prévu cette action de la part de son adversaire. Attention, la première poteau, c'est open. Ankimo qui le voit devant soi. Malheureusement, on n'est pas suffisamment placé. On ne pourra pas donner trop de vitesse à cette balle. C'est dommage, encore une fois, c'était open. Ça commence à faire quelques open ratés là pour la SNC. On pourrait en profiter de ces actions, mais malheureusement, ça ne passe pas. Ouh, on n'est pas forcément bien axé ou les shots sont trop faibles. Tout quand même un goût de faire qui était présent juste derrière. Pour l'instant ça tient bon du côté de Ellipse, défense qui est bien placée, qui est solide. Alpha c'est clairement devant, est-ce que Krassi peut essayer de reprendre, donner un petit peu d'impulsion, ça va remonter dans la gouttière, c'est plutôt bon. Est-ce que Alpha sera là pour nous gracier encore une fois de cette précision qu'il semble avoir depuis le début de ce BO, on commence à le connaître, voilà, c'est les setups qui lui sont donnés. C'était magnifique là comme setup, pas un caviar mais presque, il n'avait qu'à pousser cette balle tranquillement dans les cages. On n'a pas eu forcément beaucoup de résistance de la part de cette défense. En même temps, on se goupille très très bien là entre les joueurs. Mais pendant que si puissant va venir peut-être punir. Non, est-ce que Ankimo peut essayer de prendre? C'est dommage encore une fois. C'était open. On aurait pu punir cette action là directement, rendre un donné pour un rendu, mais ça passera pas. Là c'est open, s'il vous plaît. Dis-moi que ça rentre. C'est bon, Ankimo qui sera présent.
C'est bon, on va essayer de venir tenir un petit peu de tête là, cette équipe de l'hélice, ne pas les laisser faire trop ce qu'ils veulent non plus, et leur montrer qu'on est présent sur ce terrain. Allez, un partout, 3 minutes 11, pour l'instant rien n'est joué, on rappelle que c'est une balle de match pour Ellipse, donc c'est le moment de tout donner. Voilà, c'est puissance contrôle qui aurait pu être dangereux, heureusement ça a monté sur le backboard, est-ce qu'on peut donner un petit peu d'impulsion, est-ce qu'on dit Wall, ça va être un petit peu rapide là, pour Woodcraft. On essaie de changer de side, c'est Krasik qui va pouvoir reprendre directement. Kimo pour le cut, c'est plutôt bien fait, on a de l'arceau, ce qu'on peut essayer de reprendre peut-être en deux temps. On va pouvoir passer en dessous de ce joueur, Woodcraft à 60 temps qui pourrait être dangereux, si personne qui était placé. Curse Smile, on essaie d'envoyer sur le side opposé. On part directement sur le play. Un petit touch malheureusement qui sera rendu en Kimo. Allez, Woodcraft se passera, ça sera remis directement dans les roues de ces puissants. Kimo pour essayer de reprendre une fois de plus un open devant soi, qui est placé. On essaie de prendre une passe en profondeur et c'est puissant qui pourra en profiter. Voilà, il semble s'être réveillé, nos joueurs de la Sensei. En Kimo qui n'a pas voulu tenter le tir direct, il savait qu'il n'aurait jamais pu l'atteindre. C'est puissant qui était très bien placé à la milieu de terrain pour pouvoir reprendre cet open juste derrière. Voilà, enfin des passes. On se sent soulagé dans ce chat, on les attendait depuis un moment, depuis le début de ce BO, les passes entre les joueurs de la Sensei. Allez, Ankimo, on empêchera cette remise infield. On va venir bump dans les cages, la bleue. Malheureusement, cette balle qui sera directement envoyée, il va falloir vite back si on veut pas se trouver en 2v3. Allez, Alpha, malheureusement, on a plus de ressources, on pourra pas se setup double tap. Si puissance éclaire loin devant, allez, attention à la curse smile, il faut pas se rater là-dessus. Dans cette remise infield, on vient chercher le premier poteau. Alpha, la transition qui est prise par curse smile, c'est très bien fait. Est-ce qu'on peut essayer de continuer? On a de la ressource. Enfin, cette balle qui est levée sera repris par Ankimo. Oh, ce 50 dans Kimo directement qui est pris. Est-ce qu'on peut essayer de revenir, de remettre cette balle infield peut-être pour venir setup une passe à un mate? C'est Alpha qui va défendre cette balle sur le backboard, c'est trop de soucis. Allez, Krasi, on a éliminé un premier joueur. Donc il sera présent. Attention quand même, on n'a pas de mate qui est présent pour reprendre cette balle. Heureusement, on était un petit peu loin là, du côté de l'ellipse. Et en Kimo, puis du wall. On cherche chez les joueurs les appels de balles qui sont faits. Pour l'instant, on tempo un petit peu le. On essaye de ramener cette balle tranquillement là dans les roues de ses mates. Défendu encore une fois pour une photo. Pour l'instant la défense de l'ellipse qui ne semble pas trop être ébranlée par cette tentative de la Sensei malgré le fait que quand même deux buts soient passés. Allez, c'est puissant d'essayer de faire monter cette balle sur le goal. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre? Malheureusement encore une fois ces mecs qui sont un petit peu loin encore une. C'est étonnant, autant au début de BO on jouait très serré à côté de la Sensei, autant pour le coup là on a décidé de mettre de l'espace entre les joueurs. Kimo, c'est plus bien fait, dommage, on n'a pas réussi à attraper ce ceiling pinch là. Ça aurait pu être pas mal, surtout que du coup les catchs pas forcément fusillés. Attention à cette frappe de Curseman, il faut pas se rater. Qu'est-ce qui s'est passé là du côté de Woodcraft? Heureusement que c'était pas cadré, mais cette balle qui se dirigeait dangereusement là vers ce cadre, on a décidé de la laisser tranquille. Je sais pas si ça avait été cool de la part de son mate. En tous les cas, pour l'instant, ça tient. Ah, on a du mal à avancer là du côté de Ellipse. On semble avoir trouvé une stratégie qui fonctionne bien du côté de la Sensei. Allez, Ankimo sur le wall, est-ce qu'on peut essayer de reprendre? C'est bien qui va directement partir. Ouais, attention à ce petit raté. Est-ce que ça offre cette balle à Krasi? Est-ce qu'on peut essayer de retoucher? Ouais, Ankimo qui sera présent. Dommage, on avait une belle occasion, on va venir prendre une démo, ça donne un petit peu d'espace. Ouais, qui va venir se faire utiliser le ballon. Krasi peut-être en deux temps. Le redirect, ça va venir reprendre un petit rebond backboard. Alpha qui est présent directement, est-ce que ça va être, est-ce que c'est cadré? Non, ça tombe sur le backboard, personne ne sera là pour reprendre malheureusement, on est un petit peu loin. Curse Mail, encore une fois de plus, on tente une tentative qui se succède là sur ces cages de la Sensei, mais pour l'instant on tient bon. 10 secondes, on a toujours l'avantage, je pense que tout se passe bien. Ça pourrait être peut-être le début du réveil de la Sensei. Cette balle qui a touché le sol. Non, non, le rebond à 0 secondes. Pour l'instant, cette balle qui n'est pas encore finie. Attention, voilà, c'est bon, on pourra bien faire toucher cette balle au sol. La Sensei qui va remporter du coup son premier point de BO. J'ai du mal, hein, j'ai l'impression que là, depuis une game, là, je bafouille un peu, excusez-moi. Ça m'arrive pas souvent. Avoir plus d'eau. Voilà, la Sensei qui semble enfin être rentrée dans son BO, à voir si ça va continuer ou si c'était juste un petit soubresaut. Avoir du coup toujours balle de match pour Ellipse. Allez, directement, encore une fois, le kick-off qui sera l'avantage pour l'Ellipse ce coup-ci. Craft, c'est très lent, un petit peu raté, on pourra quand même recover. Sans envoyer pour ces puissances, qu'on peut tenter peut-être le redirect. On sera touché de justesse là par Cut Smiles. C'était, je sais pas si c'était carré, mais ça aurait pu être dangereux comme balle.
Allez, écoute, on va venir chercher sa Made in Field, c'est Alpha qui va worker directement. Kimo, est-ce qu'on peut toucher? Ça va venir rebondir sur le ceiling. Alpha qui sera démo pour se laisser un petit peu de temps. Là, on se laisse un petit peu d'espace là, du côté de la SNC pour pouvoir respirer. Là, c'est puissant, on rate un petit peu cette relance de physique qui va peut-être être un avantage de Crassi. On va venir chercher peut-être second poteau. En Kimo qui est très présent, est-ce qu'on continue côté d'Alpha? On pourra venir chercher du coup ce goal juste derrière. La très bonne compo là entre les joueurs de la ellipse. Ça rotate très vite, c'était très bien placé. Une fois de plus, Alpha qui a une très bonne vision de jeu hein, sur ses shots. En attaque, qui est souvent bien placé pour pouvoir reprendre les setups que lui font ses mates. Très bien vu de sa part. Et toujours, toujours à l'avantage de Ellipse pour le coup sur ses kick-offs. Alors, c'est face en qui cette balle qui va directement aller remonter sur le ceiling. Alpha pour la reprise. Que de ses puissances qu'on peut la reprendre en deux fois. On essaie de directement la reprendre sur le, sol. Je sais pas ce que j'ai, hein. je galère vraiment aujourd'hui, excusez-moi. D'habitude, j'ai pas autant de mal. On essaie de prendre son temps, car c'est un petit peu raté. Est-ce qu'on peut faire une backpass pour ces mettre? Attention, ces balles qui pourraient s'avérer dangereuses. Le 50 qui est pris, on arrivera quand même à pousser tranquillement là du côté de Alpha, ça sera défendu. Donc il met le long shot. Attention, Alpha, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est terrible! Ah, je n'y croyais pas du tout. Enfin, cette balle qui était haute, mais je m'attendais à ce que Alpha arrive à la prendre sans trop de soucis. L'égalisation là de la CNC. Allez, une fois de plus, non comment dire une fois de plus, non pas du tout, c'est la première fois que la CNC a l'avantage au kick-off sur ce BO. Je fais n'importe quoi aujourd'hui hein, pour le coup. Parce que Deliso est présent dans le chat, ça me perturbe. Allez, Alpha directement, est-ce qu'on peut essayer de reprendre? On va venir chercher une démo sur Woodcraft, ça sera esquivé. Ah si, ça remise une file, Ankimo qui rate un petit peu cette relance. Parce que là on va venir chercher le poteau, mais on était prêt à l'écouter de Ankimo. Peut-être Alpha la double tap qui était setup, parce qu'on peut essayer de la prendre directement. On va venir reprendre, ah, c'est sur la ligne, est-ce qu'on peut essayer de pousser un petit peu? Ça sera défendu. C'est dommage là, Alpha qui aurait pu faire qui aurait pu nous gracier d'un move assez spectaculaire. Pour le coup, de langue qui était pas facile hein. Allez, Kersmail directement. Qu'est-ce que... Non, mais qu'est-ce que s'est passé Kersmail? On s'est un petit peu trop précipité là pour le coup. On avait l'open devant soi, on avait tout son temps. C'est dommage, c'est dommage. Un petit peu de précipitation, je pense qu'on a envie d'en finir là du côté de Ellipse, donc on veut jouer vite. Le problème c'est qu'à trop se précipiter, bah, on finit par rater des moves qui techniquement sont assez simples. Attention à ce genre de balle hein, pour le coup. Allez, Crassi, depuis le sommet du goût, est-ce qu'on peut essayer de la retoucher? Attention, le Fifi qui est pris sur cette puissance, cette balle qui va directement prendre sur le sol, on empêchera la relance d'Ankimo. Ils ont toujours au contrôle, Kersman qui va essayer de cut, malheureusement c'est toujours à l'avantage de la CNC pour l'instant. On a tenté le 45, on va surprendre un peu Crassi, le 50 qui a tenté d'être pris là par Goodcraft. On tente le beau jeu là, du coup de la SNC, il y a beaucoup de 50 qui tentent d'être pris. On les connaît pour ça, ceux qui sont habitués à les voir jouer, vous savez. On aime bien voir Goodcraft si puissant au Kimo nous montrer des 50 improbables qui marchent très souvent. Allez, Alpha, malheureusement, on n'a plus de ressources, on a réussi à passer Goodcraft, on ne pourra plus en faire grand chose. Puissant. Le flic sur Kersmile. Allez, Ankimo, on va décider de monter sur le wall directement, il reste 2 minutes. Est-ce qu'une équipe va réussir à prendre l'avantage? Puissant s'est envoyé dans le corner. Oula, Kersmile, attention, cette relance un petit peu ratée. Est-ce qu'on peut en profiter de Goodcraft? Ça rebondit sur le backboard. Donc, c'est parti, malheureusement, on n'est pas axé, on a tenté de pitch au sol pour recover sur cette balle. Allez, c'est puissant directement, le shot direct, Alpha qui va laisser ce petit rebond sur le backboard. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre le contrôle? On arrive à éliminer un premier joueur. C'est puissant, attention à ce contrôle dans le corner. Est-ce qu'Ankimo est bien placé? C'est bon, on pourra casser trop de problèmes. Crassi qui empêche cette relance et que directement, est-ce qu'on peut essayer de reprendre? On a plus de boost malheureusement. C'est compliqué, il y a des opportunités qui sont offertes. Malheureusement, souvent c'est le manque de ressources là qui fait que c'est compliqué pour les joueurs présents sur le terrain. Ankimo qui va voir que la puissance va avoir très bien défendu, c'est puissant, par exemple on pourra pas rallonger ce tir là. Ankimo qui est partout, hein. Il surgit de nulle part là, on l'a vu. Ah, directement dans le corner, attention, Kersmal qui est parti, encore une fois on se précipite un peu. Et Crassi le bon setup directement, on vient chercher pour le poteau, c'est puissant qui était présent, c'était cadré, je sais pas si c'était directement dans les cages. Oh attention Alpha encore une fois, mais qui va venir chercher, mais ces angles improbables de Alpha, on va venir taper encore une fois, c'est avec le side il me semble encore une fois. Non, on a eu le temps de s'axer, j'ai cru qu'il y avait encore une fois tapé avec le side, très bien vu directement la petite transversale rentrante, mais c'est incroyable. Allez, Ellipse qui reprend l'avantage, 1 minute, ce n'est pas encore la fin là pour la CNC, on peut encore rattraper, on sait qu'il se passe beaucoup de choses en 1 minute dans Rocket League. Voilà, Goodcraft qui a pris un très bon 50, il va falloir défendre, ça sera envoyé sur le volet opposé de la part de Smile. Enfin, on attendait de percer un petit peu cette défense.
On va essayer de plonger un petit peu. Attention, Crassis, ce return qui pourrait s'avérer dangereux. On garde le contrôle du côté Goodcraft. On s'en va encore une fois pour le cut. Allez, Crassis derrière, peut-être pour venir setup cette balle alpha. Attention, on le connaît, il peut être dangereux. Le double tap qui est setup. On a un petit peu de ressources qu'on pourrait essayer de revenir directement sur les cages. Malheureusement, je pense qu'on manque un petit peu d'espace et de ressources là, du côté de l'alpha. Allez, attention, cette balle qui va drop parce qu'on Kimura pour en profiter. Là, c'est un petit peu rapide pour lui, malheureusement. 25 secondes, il faut essayer de faire quelque chose là. Petit puissant directement, l'open qui est pris. Voilà, il suffisait de demander. On la colle à quelques secondes presse, puissant qui sera présent pour prendre l'open derrière. On a pris une démo il me semble pour un petit peu d'espace. Voilà, Kimo qui va pouvoir démo pour donner de l'espace à si puissant. 21 secondes de partout. Voilà, c'est très serré encore une fois, c'est game de BO. De toute façon on avait pris le niveau est assez équilibré, on me l'avait dit en début de stream. Crassis directement, cette balle qui va être mise pour Alpha. Ah, est-ce qu'on peut essayer de la reprendre? Ça va drop directement. Crassis, est-ce que c'est bon? C'est bon setup parce que quand même peut essayer de passer cette défense. Suppuissant qu'il va très bien défendre. Allez, Ankimo depuis le wall. Directement pour Woodcraft. Oh, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Le 50 de Crassis! C'est terrible! Incroyable! Ah, cette balle qui était destinée à Woodcraft, cette remise in field de la part d'Ankimo. Mais ce 50 de Crassis, mais il est sorti de nulle part! 2 secondes pour la CNC, 2 secondes, 2 petites secondes pour essayer de venir égaliser. Ça va être extrêmement tendu, je pense. Là, ça vient toucher le sol, malheureusement, et c'est Ellipse qui remporte. Du coup, c'est ce BO5. Ça aurait été, malgré le 3-1, ça aurait été extrêmement serré dans ces games. Attendez que je mette le point. Voilà. Très serré pour le coup, ce 50 sorti de nulle part. C'est assez insane. Alors attendez, parce que du coup, il y a eu des follow. Faut que je remercie. Merci Nazerel, pardon. Merci Winteg et merci Dark Deter pour vos follow. Merci à vous, bienvenue sur la chaîne. Ah, c'était assez insane hein, comme BO. Honnêtement, c'est vrai que du coup, c'était assez équilibré. On a vu hein, le niveau. Les deux équipes qui se répondaient. Ils se répondaient plus ou moins, on se renvoyait les balles, on essayait de trouver un petit peu les erreurs de ses adversaires pour pouvoir marquer. C'est vrai que c'était compliqué, on a vu certains setups qui étaient pas mal, malheureusement souvent manqué de ressources ou d'espace, ou peut-être un peu trop de précipitation du côté des joueurs. Mais en tout cas, il y avait quand même du très beau gameplay qui a été offert. Les 50 de la CNC, on les connaît, Alpha et ses angles assez fous devant les cages de la CNC. Donc pour le coup, très agréable à regarder. GG aux deux équipes, j'espère qu'on aura l'occasion de les revoir jouer. Dans tous les cas, bah écoutez, moi je remercie encore 5 coups pour les 5 euros, merci, franchement ça fait super plaisir. C'est ce genre de petits gestes là qui montrent que vous kiffez ce que je fais et qui m'encourage à vous offrir encore plus de la qualité et d'être là pour vous tout simplement, parce que moi ça me fait triper de vous offrir des streams de qualité et vous me le rendez super bien avec en participant dans le chat, avec vos follow, avec vos dons. Donc honnêtement, merci à vous, merci pour tous les follow, merci du coup pour les dons. Bah écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, et puis en espérant vous revoir une prochaine fois sur la chaîne. Juste avant que je parte, petite promo du coup pour ceux qui ne savent pas encore, la rediffusion du live sera upload sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder directement avec les petits boutons en dessous de mon stream, les petits boutons en description. Donc si vous voulez revoir vos matchs pour étudier peut-être vos erreurs ou tout ce qui s'est passé, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne pas rater les vidéos. Moi sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Allez, salut les gars.